Ouah, j'entends pas les rageux. Hey yo les gars, j'espère que vous avez bien les frérots. Du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est sur Sparking Zero. Et aujourd'hui on va voir du coup comment atteindre le dos. Quelles sont toutes les techniques en tout cas que je connais moi, que j'ai appris, que j'ai vu un peu de partout, que j'ai modifié à ma sauce. Je vais tout vous montrer les gars, comme ça pourra peut-être vous aider. Parce qu'en vrai le dos c'est l'un des trucs les plus importants sur le jeu. Ça vous permet de faire des combos très longs, le mec il galère à contrer et tout, tu vois, c'est vraiment relou. Je pense qu'on l'a tous vécu de toute façon la scène où on se fait taper pendant 10 ans dans le dos et on peut rien faire, c'est horrible. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je connais, ok. Du coup, alors déjà le dos, à partir d'où ça commence? En gros le dos les gars, ça commence à partir de un tout petit peu derrière l'épaule. Vous voyez là, voilà, là je suis derrière. Et par exemple sur ce côté là, ah là je suis pas assez derrière. Ok, là je suis derrière, vous voyez, en gros c'est juste derrière son épaule. Voilà, si vous voulez une petite indication. Même si bon, en combat c'est très chaud de voir ça, mais voilà, au moins vous savez. Ensuite, on va commencer par les basiques, après je vais vous montrer les clips, comment j'ai fait, par exemple les clips qu'il y avait en début de vidéo. Si ça peut vous aider les gars et placer en jeu, franchement ça peut être vraiment trop stylé. Et puis voilà quoi. Donc déjà le basique, c'est l'esquive sur le côté les gars, voilà, donc c'est avec le dash, vous savez. Voilà, donc faites une esquive sur le côté quand vous tapez pas, ça fait un demi-tour derrière le perso, et vous êtes dans son dos, voilà. Par contre attention, parce que quand vous tapez, si vous faites une esquive sur le côté, vous voyez que c'est pas la même, elle est modifiée. Et du coup vous serez pas assez sur le côté pour atteindre son dos. Vraiment faire l'esquive quand vous tapez pas en fait, voilà. Après ça dépend bien sûr de la situation, des combats, qu'est-ce qu'il fait le mec à ce moment-là, etc. Mais bon voilà, vous avez capté. Esquive sur le côté, c'est le plus simple. Ensuite, le truc, je pense, l'un des trucs les plus utilisés, voilà, c'est celui-là, c'est la ruée. Vous faites la ruée, voilà, donc R2 avec le A, et vous refaites A, et voilà, ça s'emmène directement dans son dos. Je pense que ça, c'est le truc le plus utilisé du jeu, c'est abusé, parce que c'est le truc le plus simple en même temps. Ça coûte une barre de ki, mais c'est le truc le plus simple, tu vois. Par exemple, t'as beau être à 10 000 km, hop, tu fais une ruée, hop, c'est monté derrière, et après, tu peux taper dans le dos, et t'es trop bien, tu vois. Voilà, donc ça, c'est le deuxième truc le plus simple. Ensuite, alors en tapant, voilà, vous pouvez vous TP, je vous avais montré ça dans la vidéo juste avant, pour les combos infinis. Alors ça, faire attention, parce que du coup, quand vous tapez et que là vous vous TP, le mec peut se re-TP derrière. Ça vous est sûrement déjà arrivé aussi, et après vous refaites des TP, voilà, et après vous TP entre vous à l'infini, jusqu'à qu'il y en ait un qui ait plus assez de ki pour se TP. Et voilà, ça existe aussi les gars, voilà, vous tapez, et vous mettez derrière, et voilà. Ok, donc ensuite. Ensuite ça va être le combo du coup qu'il y a sur pas mal de persos. Vous savez, par exemple, moi je fais 3x, 1y, normalement là ça le retourne. Voilà, donc là il est en mode garde. Mais par exemple, si je me mets derrière, voilà, histoire de tester, 1, 2, 3, hop, et là je le retourne, vous voyez. Donc si je fais ça à l'avant, ça va le retourner aussi. C'est un combo avec vos boutons d'attaque et vos boutons de ki. Voilà, faut tester, chaque perso est différent, il y en a où il faut faire 2x, 1y, d'autres il faut faire 3x, 1y. Mais bon, voilà, je pense que vous connaissez. En vrai, c'est plutôt cool, si vous arrivez à... Parce que souvent, le mec, il garde pas devant, du coup, vous commencez votre combo, pensez bien le retourner dès le début. Comme ça, ça l'empêche de contrer après, s'il contre pas avant. Parce que malheureusement, maintenant là, les gens commencent à devenir très très forts. Et du coup, dès que vous attaquez devant, bah, le mec il va direct faire une perception, où il va contrer, voilà, où il va faire un contre-z ou un truc comme ça. Donc c'est plutôt compliqué. Donc c'est pour ça que là, on va chercher à atteindre le dos directement, sans devoir taper devant et ensuite retourner. Comme ça, ce sera plus simple, ok. Donc en début de vidéo aussi, je vous avais parlé du coup du dash sur le côté, voilà, où il fait une petite retournée acrobatique pour aller derrière. Et ça marche aussi quand vous êtes un peu plus éloigné. En gros, quand vous êtes proche, ça fait comme ça. Si vous reculez un petit peu, vous voyez que ça n'a rien à voir. Du coup, elle change complètement, alors que c'est la même touche. C'est toujours la touche de ruée. Mais elle change. Et en vrai, ça peut vous servir aussi. Ça peut vous permettre du coup d'aller derrière l'ennemi. Je vais vous montrer par exemple par rapport à un clip que je vous avais montré en début de vidéo. Je vais vous faire le même truc. Alors, il faut juste que ça rentre. Moi, là, je suis au début, donc je le réussis pas 100%, les gars. Mais en gros, imaginez là, vous tapez. Vous voyez qu'il a mis sa garde. Donc en vrai, vous tapez, hop, petit TP, et là vous faites un dash, et là vous êtes derrière. Ok. Voilà, donc si. Bon, après en combat, bien sûr, ça sera souvent pas pareil. Ça va être très dur d'y mettre, mais c'est possible. Franchement, c'est possible, les gars. Surtout que là, c'est pas des trucs qui se font énormément, donc le mec ne peut ne pas s'y attendre du tout. Ouah, j'entends pas les rageux. Ok. Et quelqu'un qui vient de se sub, alors que je suis même pas en live. Il a niqué ma vidéo. C'est terrible. Pardon, désolé les gars, il y a un mec qui vient de se sub alors que j'étais même pas en live. Mais bon, bref. Du coup, j'en étais, voilà. Donc le combo, les gars, je vais vous montrer. Alors en gros, vous savez, quand vous tapez et que vous faites R1 pour mettre la garde, du coup, ça vous TP. Vous pouvez vous TP aussi en arrière, les gars. Si vous mettez le joystick vers le bas au moment de la TP, regardez. Là, je tape, joystick vers le bas plus la garde, et du coup, ça me TP en arrière. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, parce qu'en plus, ça crée de la distance. Comme ça, au moins, le mec, vous savez, bah là, du coup, il pourra pas faire de perception pour vous contrer ce que vous tapez dans le vide. Parce qu'il y en a plein, souvent, ils font ça, vous voyez. Bon, ça, moi-même je fais ça les gars plein de fois parce que je suis là comme un abruti, j'appuie sur le bouton taper comme un con en espérant que ça va passer, mais ça va jamais passer en final. Et du coup,
Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est hop, je me TP en arrière, comme ça, ça crée de la distance. Il pourra pas me contrer est-ce que je le tape pas. Et il pourra pas me taper en échange, parce que du coup, j'ai créé de la distance. Et du coup, le temps qu'il vienne à mon corps à corps, qu'il comprenne, sur le moment, il va pas comprendre, tu vois. Donc moi, ce que je fais, c'est hop, je me TP en arrière, je fais le dash sur le côté. Là, vous voyez que je suis un peu loin. Donc le temps de revenir à son corps à corps, en fait, le mec, il va se retourner. Donc généralement, moi, ce que je fais, voilà, je me TP, je fais le dash. Là, je fais les kikwa le temps de revenir, et ensuite, je le tape. Voilà. Donc, généralement, ça marche. Généralement ça marche les gars, et puis voilà, ça donne un truc comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, donc c'est nickel, c'est nickel. En vrai, si vous arrivez à le faire vite, de toute façon c'est que de l'entraînement les gars, c'est de la mémoire musculaire. À force de le faire, après vous allez le faire plein de fois. C'est pour ça, en vrai, c'est bien d'apprendre plusieurs combos, même si là tous les combos les gars, que dans la vidéo, vous pourrez pas les faire en une heure, tous d'un coup, tout le temps en combat, tu vois. Ça va être très compliqué, ça va pas être des combos que vous allez faire tout le temps, surtout les combos compliqués comme ça. Mais une fois que ça ajoute à votre cerveau les gars, après il y a toujours un moment où il va y penser et vous allez y faire tout seul automatiquement. Et ça va être stylé en fait. En fait c'est juste histoire de modifier votre gameplay les gars, que ce soit stylé. Parce que sinon on va pas se faire chier, on fait juste ça à toutes les games et puis c'est réglé tu vois. Mais c'est vrai que toi tu viens là, hop, tu TP, qui dash, qui quoi, là tu viens derrière, tu vois c'est stylé. Tu vois c'est stylé de fou en vrai. Puis ça diversifie le gameplay un peu, le mec s'y attendra pas. Voilà, il va bégayer tu vois, il va bégayer. Après. Donc je pense que c'est pas mal, Ensuite, du coup, prochaine technique, donc ça va être toujours avec la TP en arrière. En fait, la TP en arrière, moi j'aime trop les gars. Voilà, souvent, en gros, vous voyez, vous commencez à taper, et du coup la TP, elle cancel direct, et du coup direct à vous TP en arrière, et ça vous sauve la vie. Et en gros, quand vous vous envolez, du coup, si vous avez appuyé juste une fois, hop, vous voyez, ça fait un saut. Ça fait un saut quand vous êtes au sol. Par contre, si vous êtes dans les airs, et que vous appuyez, vous voyez, ça vous monte juste un petit coup, et sinon ça vous baisse, voilà. Donc ça, ça marche que quand vous êtes au sol, mais bien souvent, les gens, ils restent au sol, ils pensent pas souvent à monter dans les airs, à part quand ils font un combo qui vous envoie dans les airs, après vous restez dans les airs, mais souvent, les gens sont au sol, et du coup, si vous avez appuyé juste une fois, voilà, donc ça fait un gros saut, et en gros, ça va vous permettre de passer derrière. Si vous faites un saut plus un dash, avec le combo, vous allez voir. Donc là, par exemple, imaginons, je tape, genre j'arrive sur lui, oh mince, il est à la garde, donc je tape, hop, je me TP en arrière, je dash, je saute, et vous voyez que, en fait, quand je dash et je saute, ça m'envoie ultra loin, vous voyez. C'est pas comme un saut simple, où du coup, ça saute comme ça, et après, vous bougez pas trop. Si vous faites vous faites un dash plus un saut, vous voyez comment ça vous envoie loin. Ça vous envoie loin derrière. Et en gros, ce qui est bien, c'est que ça marche très bien, du coup, avec la TP de la garde. Parce que du coup, la TP de la garde vous envoie pile poil, pour être assez loin pour faire le dash plus fort, parce qu'en fait si vous êtes trop au corps à corps du mec, vous voyez que le dash est pas le même, ça fait un petit dash comme ça, alors que si vous êtes un peu éloigné, ça fait un gros dash, ok. Et du coup, TP, là ça vous envoie pile à la distance pour refaire un dash et sauter, et là comme ça vous êtes derrière, ok. Ensuite, ce qu'il faut faire tout simplement les gars, c'est que quand vous êtes dans les airs, vous restez appuyé sur la touche pour taper, et en gros vous voyez ça fait ça là, voilà. Donc si vous êtes dans les airs les gars, vous voyez, ça vous amène en plus vers le mec. Je saute, regardez. Voilà, vous voyez. Et en plus, ça brise la garde. Donc c'est plutôt cool, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière. Et vraiment, ça se passe en une seconde, les gars. Donc le mec, il va pas s'en rendre compte. Du coup, vous tapez, hop, TP, dash. Et voilà, vous tapez comme ça. Est-ce que c'est pas stylé? En vrai, c'est trop stylé, les gars. Donc regardez, hop, mince, il a la garde. Ok, bon, j'ai raté. Je sais pas, je voulais parler en même temps, les gars, ça, c'est terrible. Mais voilà, vous tapez, TP, dash, vous sautez, et ensuite, une fois dans les airs, vous restez appuyé un petit peu sur votre touche pour attaquer. Donc moi c'est triangle, enfin moi c'est X, pardon. Et ça va focus sur lui, ça va vous emmener sur lui directement en fait, parce qu'il y a un petit aimbot. Du coup, hop, TP, voilà, et voilà. Et là vous êtes derrière les gars, là vous êtes derrière, après vous pouvez enchaîner. Hein. Et vous pouvez enchaîner, je sais pas parler et jouer en même temps, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, tac, tac. Voilà, et après vous enchaînez, et vous êtes au top du top, quoi. Vous êtes au top du top, ok. C'est, en vrai, franchement, c'est trop stylé, et c'est vraiment plutôt simple à faire. Faut juste taper, dès que vous voyez la garde, hop, vous dashez, vous sautez. Voilà, ça marche pas, parce que du coup, je suis dans les airs. Du coup, dans les airs, ça marche pas, malheureusement, mais au sol, ça marchera, quoi. Et c'est trop stylé. Et en plus, vous êtes dans son dos, et il y aura pas moyen de vous contrer et tout, vraiment, ça se passe en une seconde, donc le mec, ça rendra pas compte, tu vois. Et son personnage se retournera pas. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, petite modif du combo que vous avez eu juste avant les gars, qui est un peu différente, mais peut-être que vous préférez, peut-être que vous kifferez mieux, et ce sera peut-être plus simple pour vous à réaliser, je sais pas. En gros, imaginez vous tapez, donc là il a la garde, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper en arrière, comme d'hab, au moins ça crée la distance, parce qu'en fait si le mec voit que vous allez arrêter de taper, il va enlever sa garde, après il va se mettre à vous taper directement en fait.
C'est ça le souci, où il va mettre la perception. Donc ce que vous faites, vous tapez en arrière, comme ça, ça crée de la distance. Vous sautez, pareil, donc ces boutons, vous savez, pour monter dans les airs. Vous appuyez une fois, quand vous êtes au sol, ça vous fait sauter. Et une fois dans les airs, vous restez appuyé sur le bouton pour taper, et vous voyez que ça charge. Et en gros, il faut avoir le bon timing, parce que du coup, il faudra s'arrêter au moment où il y a la lumière bleue. Donc en vrai, il faut pré-shot un peu. Vous sautez, hop, il y a la lumière bleue, et là, voilà. Et là, après, vous faites un dash, et vous pouvez même la gripper quand il est au sol. Là, je l'ai fait un peu tard, parce que je parle en même temps, et je sais pas faire les deux trucs en même temps. Mais voilà, ça marche aussi, les gars, ok? Ça marche aussi. Pareil, après, par contre, si vous êtes dans les airs, vous pourrez pas sauter, du coup. Le saut ne marchera pas, donc ça marche que au sol, le saut. Mais vous pouvez tout aussi bien faire ça. Voilà, et là, vous TP. Ça marche aussi, les gars. Vraiment, dans les airs, ça marche aussi. Ça peut être un truc à rentrer. Pourquoi pas? Après, c'est bon, c'est moins stylé, tu vois, il n'y a pas le saut. C'est vrai que le saut, quand t'es au sol, en fait, le mec, ça va le brain. Le mec, il va être perdu, tu vois. Il va devoir monter dans les airs, il va se dire qu'est-ce qui se passe et tout. Donc ça peut le brain un peu, tu vois. Donc ça, vraiment, c'est le top du top. Et vous pouvez faire comme ça, Polo. Ça peut être plutôt cool. Après, même si vous ratez, ouais, parce qu'en vrai, pour le bon timing, c'est chaud. Même si vous ratez, enfin, je me suis pas raté, mais imaginez vous ratez. Vous voyez, au pire, ça lui brise la garde. Donc ce que vous pouvez faire, après, c'est continuer le combo, enchaîner, le faire tomber au sol. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Après, en fait, ça, c'est vraiment que des mini-mouvements que vous pouvez ajouter à votre gameplay. Quand il met sa garde, pour atteindre le dos, du coup, et modifier un petit peu votre gameplay, rajouter des petits trucs plutôt sympas, et vous pourrez peut-être les faire, genre, une fois par combat, une fois tous les 10 combats. Mais ça rajoutera des petits combos à votre gameplay. C'est ça, en vrai, le but de la vidéo, quoi. Voilà. Ensuite, en vrai, on va garder le truc dans les airs pour après, je pense. On va faire, je vais vous montrer du coup un autre petit combo. Ça je pense pas beaucoup de gens connaissent. En gros, quand vous êtes au corps à corps, les gars, et du coup vous faites le dash, donc le A pour moi par exemple, vous voyez ça fait un petit dash du coup. Si vous faites R2 plus le dash, en gros R2 pour moi les gars c'est ça, voilà. Si vous faites R2 plus le dash, vous voyez que ça fait ça. En fait, quand vous êtes au corps à corps, quand vous approchez dans une zone autour du personnage, votre dash s'arrête. Vous voyez, il s'arrête. Parce que du coup, en gros, ça permet de vous arrêter. Voilà, vous voyez, ça s'arrête tout seul. Quand vous êtes dans la zone autour du personnage, en fait, il faut imaginer un rond autour du personnage. Et dès que vous arrivez dans ce rond-là, du coup, votre dash s'arrête. Parce que ça, le jeu dit que vous êtes au corps à corps du mec, ok? Et en gros, il va falloir mettre du coup votre joystick sur la diagonale en haut à droite ou en haut à gauche. Et ça va vous faire dash, en fait, pile poil sur le côté, juste pour taper derrière l'épaule et du coup taper dans le dos. Vous voyez? Je fais ça. Et en gros, je serai dans le dos, vous voyez? Vous voyez, là, je suis dans le dos. Pas se rater, par contre, parce que si vous le faites 3 à gauche ou 3 à droite, ça va vous emmener comme ça, en fait. Et ça, c'est chiant. Donc, c'est pour ça, en fait, ça, faut prendre, pareil, la technique, tu vois. Mais, par exemple, tu tapes. Alors, aussi, pareil, voilà. Quand vous tapez, la première fois que vous allez faire R2 plus esquive, ça va pas marcher. En fait, il faut faire 2 fois. En gros, il faudra appuyer sur R2, rester appuyé sur R2, et vous appuyez 2 fois sur le dash. Quand vous tapez. Si vous tapez pas, vous pouvez le faire une fois, vous voyez, ça marche. Par contre, si vous tapez, en fait, pour cancel le moment où vous tapez, il faudra cliquer 2 fois sur dash. Parce que du coup, il y aura un dash qui se fera juste comme ça, même si vous avez appuyé sur R2. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, vous tapez, vous voyez, là, ça le fait dans le vide, et après, ça le fait pour de vrai, vous voyez. En gros, là, je tape, R2, X, et je refais X, en restant appuyé sur R2. Voilà, vous voyez, ça fait un faux dash. Là, ça fait un faux dash, et après, ça fait un vrai dash, ok? Alors là, je parle en même temps, du coup, je sais pas faire, tu vois. Mais allez, en gros, je tape. Faux dash et vrai dash. Et après, vous pouvez retaper parce que vous êtes pile poil dans le dos du mec. Donc, ça, c'est masterclass aussi. Ça, franchement, ça peut être trop stylé. Tu vois, t'arrives à rentrer ça en game. C'est vraiment trop stylé, tu vois. Hop, tu vois. Et en vrai, tu peux le spammer le truc. Hein. Bon, ça sert à rien de le spammer, mais si vous voulez vous entraîner, les gars, regardez. En fait, il faut être vraiment dans la diagonale avec votre joystick. Diagonale haute droite ou autre. Haut gauche, pardon. Et voilà, ça rentre tout seul. Quand vous tapez, vous restez appuyé sur R2, vous cliquez 2 fois sur le dash, ça fera un dash dans le vide, et après un vrai dash, et après vous pouvez taper, quoi. Ça, en vrai, c'est plus dur, je trouve. Parce qu'il faut bien trouver la diagonale, si t'es un peu trop gauche, tu pars direct à gauche, sinon tu pars direct à droite. C'est un peu chaud, tu vois. En vrai, c'est un peu chaud. Donc faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe. Ok, les gars. Bon, ensuite, du coup, pour le prochain, pareil, je vous avais montré un petit clip. En début de vidéo, donc ça va être pour passer derrière quand vous êtes dans les airs, parce que du coup tout à l'heure on a vu quand vous étiez au sol, mais du coup quand vous êtes dans les airs, comment vous faites? Si vous êtes bloqué devant lui, pour le moment, comment vous faites, tu vois? Donc en gros, du coup avec L2, vous allez pouvoir du coup baisser et L1 vous monter, ok? Et si vous le faites du coup avec le R2, du coup pour se booster avec le ki, si vous appuyez sur L2 et R2, du coup vous voyez ça vous baisse rapide, si vous faites vers le haut ça vous monte rapidement, ok?
Donc en gros le but, c'est qu'on va se baisser rapide, et en même temps on va appuyer sur le dash, une fois qu'on est du coup au bon endroit, vous appuyez sur le dash, et vous voyez que ça vous remonte direct. En fait ça fait un dash du coup vers le, bah, vers le mec quoi. Comme on voit au sol, c'est vraiment la même chose. Et du coup ce que vous allez faire les gars, si vous allez taper, imaginons là je tape, je fais L2 R2, le dash, et vous voyez que là, en bougeant le joystick sur la droite ou la gauche, un petit peu, en fait le perso du coup va ramener derrière, il va se ramener derrière le perso, ok. Ouais, hop, vous pouvez vous entraîner les gars. Ça en vrai, c'est en hauteur, franchement c'est pas mal. Comme ça, voilà. Là je fais L2, R2, le dash, et avec le joystick à droite ou à gauche, si vous voulez à la droite ou à gauche, et ça fait tout seul. Voilà, vous appuyez juste une fois sur le dash, là L2, R2, une fois le dash, et vous voyez que je suis de l'autre côté. Ouais. Voilà. Vous bougez le joystick en même temps, comme ça vous allez à droite ou à gauche. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, comme ça vous pouvez faire des kickwalls le temps de revenir. Alors vous voyez, là je suis loin, là j'envoie des kickwalls. Bon là j'ai vraiment abusé, je suis vraiment loin, tu vois. Et en gros je fais ça, là je tape avec les kickwalls, et après je tape encore à corps, tu vois. Comme ça il a pas le temps de se retourner avec son perso, il se prend des kickwalls, donc il reste dans cette position. Et puis voilà quoi. Ça franchement c'est stylé, tu vois. Ça permet vraiment, en plus c'est vraiment rapide, tu vois, donc le mec vraiment il pourra rien faire. Le mec ne pourra rien faire, en plus il va vous voir descendre, du coup il vous aura plus dans la caméra, donc il va vous chercher. Et ça va être relou pour lui, tu vois. Parce qu'en plus, vu que là vous êtes en dessous de lui, même si vous jettez des kikwa, ça vous touchera pas. Ça vous touchera pas les gars, parce qu'en fait les kikwa, ils vont, quand ils les jettent, ils vont pas en ligne droite, en dessous ou en dessus. Il y a toujours un petit arrondi. Du coup il vous touchera pas, vous voyez, moi je touche pas. Là je suis vraiment accolé à lui, tu vois, mais là je touche pas là par exemple. Alors qu'en vrai, il est juste au-dessus de moi. Donc lui qui est au-dessus de vous, il vous touchera pas non plus. Donc c'est pour ça, en plus, vous êtes intouchable, entre guillemets. Donc voilà, vous faites ça, hop, et comme ça, vous êtes derrière. Et franchement, ça surprend. Franchement, ça surprend de fou, le mec ne s'y attendra, mais jamais de la vie. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. En plus, vous pouvez juste vous entraîner comme ça. Hop, là, je suis derrière, là, je suis devant. Là, je suis derrière, voilà. Donc vous pouvez juste vous entraîner comme ça, les gars. Vous tapez, hop, et là, je suis derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça, et vraiment, franchement, ça surprend. Le mec ne s'y attendra, mais pas du tout, les gars. Et franchement c'est trop bien, vraiment les gars je passe, je pense que je joue même plus en multijoueur les gars, je passe ma vie en entraînement, j'aime trop les mouvements en fait sur jeu, c'est une dinguerie. J'aime trop apprendre les mouvements différents sur jeu, c'est tout ce que je veux faire les gars sur jeu, c'est j'aime trop. Bref, est-ce qu'on a tout vu? On va... Ouais normalement on a tout vu, hein. Normalement on a tout vu les gars. Bon après il y a sûrement d'autres trucs que j'ai oublié qui sont encore plus basiques que ce que je vous ai montré à la fin. Mais voilà, normalement déjà avec ça vous serez pas mal. Serait pas mal si vous arrivez à les rentrer en jeu, franchement trop stylé les gars, j'espère que vous y arriverez. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé les frérots, n'oubliez pas un petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'autres tutos avec des techniques que vous voyez pas souvent, que vous avez jamais vu, bah dites moi j'y ferai avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé les gars, c'est une bonne journée, prenez soin de vous et ciao.